Salut à tous, c'était ZB, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur Black Ops 2 sur la map d'iRise. Alors avant de commencer, si vous pouviez laisser un like ou vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux, ce serait vraiment sympa, ça m'aiderait donc à faire progresser ma chaîne. Donc si ça vous plaît les glitches Black Ops 2 et que vous avez envie que j'en propose plus, je vous invite à laisser un petit like. Alors on va passer au glitch. Donc ce qu'il faudra faire, c'est déjà construire le propulseur, et vous allez aller à l'endroit de la boîte. Donc moi je fais le strafe jump, mais si vous y arrivez pas, vous allez faire tout le tour de la map ou demander à un de votre ami qui vous pose son propulseur pour aller de l'autre côté. Donc vous allez faire comme moi, vous mettre dans le coin, et donc vous allez avancer un petit peu comme moi dans la vidéo jusqu'à que le propulseur soit exactement aligné avec le cadre donc de la porte, enfin avec le cadre, et donc soit exactement placé comme moi. Donc si vous y arrivez pas, je vous invite à mettre ma vidéo sur pause pour pouvoir exactement voir où je le place. Ensuite vous allez le placer. Donc vous allez attendre qu'il se charge. Et là vous allez faire comme moi, vous décaler un petit peu jusqu'à que vous arriviez pile au bord du propulseur. Et vous allez voir que ça va vous lancer donc dans le mur. Donc arrivé ici, vous pourrez pas tuer les zombies qui sont à droite ou à gauche. Faudra vraiment attendre qu'ils viennent en dessous de vous. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le sacrificateur et de tirer. Comme ça, ça va tous les tuer en même temps. Voilà, vous pouvez prendre les bonus, vous pouvez faire des manches à l'infini. Donc c'est un très bon glitch. Voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un like et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.